Ah, vous venez écouter la vieille là. Viens, 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 viens. Ouais, je suis le maréchal, le prophète Joël Crasso. Juste après le culte, aujourd'hui c'est dimanche 7 juin 2015. J'étais juste au bureau après le culte en train de recevoir des personnes. Et puis cette vieille là m'a interpellé parce qu'elle voulait faire des aveux. Voilà, elle voulait faire des aveux. Elle est venue ici, sachant qu'elle-même, je sais qu'elle était sorcière. Elle est passée au bureau, on a dû changer. Je vais laisser ce soir, elle a décidé de faire des aveux. Parce qu'elle sent que depuis qu'elle est ici, son corps n'arrive plus la santé. Ses pieds ont commencé à s'enfler. Tout son corps et tout ça, elle est sous un châtiment de Dieu. Parce que si c'est ça, quand on ne fait pas des aveux, quand on met un peu de temps, on a la main de Dieu nous châtie, tout ça. Donc, elle m'a interpellé tout à l'heure parce qu'elle voulait faire des aveux. Donc, on va l'écouter. La vieille, je suis trop. Tu es resté longtemps ici. Tu es resté à mon bureau. Tu ne voulais rien dire. Donc, écoute-moi. Je pose des questions, tu me réponds. Il faut dire voilà, question-réponse. Quand mon mouillant, c'est. Donc, on va aller tout de suite. Tu m'as appelé, tu savais, tu voulais faire quoi? On est loin, nous te dis, il fait les canons. Tu me dis quoi? Il fait les canons, mais non, c'est pour me dire quoi? Que tu es moi? Il fait les canons. Voilà, elle dit, elle s'est envolée, elle est sorcière. Ok, mais donc c'est ce que tu vas dire. Et si tu veux maintenant confesser. C'est si tu veux confesser. Oui, maintenant c'est ce qu'elle veut faire les aveux, c'est ça? Oui. Est-ce que nous pose la question? Elle veut faire les aveux, c'est ça? On est un nene éco dit ça na le fait non à ce qui est maintenant. C'est ça? Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Ok. Voilà, elle dit ça. Ok. Donc non. Comment j'ai fait des questions réponses? Pourquoi depuis tu es là, tu n'as pas parlé, puis c'est maintenant tes pieds ont commencé à s'enfler? Stop. Maman. Je suis venu, on est rentré dans le bureau. Maman. Depuis tu es ici, je ne t'ai pas forcé. C'est Dieu qui est en train de te frapper. Écoute-moi, il faut le traduire, c'est Dieu qui est en train de la frapper. On est ils sont des fausses personnes. Depuis, il a un bureau, il a un bureau, il a un bureau, il a les bureau. Maintenant tu as chaud, il y a son corps chaud. Tout son corps chaud. Oui, c'est chaud. C'est très chaud. Ça va pas du tout. Donc, elle est obligée de parler. Ok, donc tu es sorcière. Il est qui m'a. C'est ça? Qui t'a donné? Frédéric Ognina. Elle dit c'est monsieur Frédéric Ognina. Comment il t'a donné sa sorcellerie? Il lui a donné la sorcellerie. Mais on y est mon city. Elle dit c'est dans la nourriture. Il a dit de la façon. Elle dit que c'est le foutu. Elle dit que c'est quand elle était en train de manger le foutu avec la viande du rat. Et que c'est dans ça qu'elle a été envoûtée. Elle est envoûtée. Elle a eu la sorcellerie. Quand elle a eu la sorcellerie, qu'est-ce qu'elle a fait? Écoute-moi, question, réponse. On a apprécié. Il y en a ce qui est en amour pour et c'est nous. Non. Elle dit qu'elle a mangé, c'est le tout sur la poitrine. Elle s'est envolée, c'est pas ça la vie. Brinane, moine, ici, nous. Non, toi, tu traduis pas bien. Qu'est-ce qu'elle a fait maintenant? Elle a gâté quoi? C'est la question que je lui pose. Il va poser la question. Quand elle a eu la sorcellerie, elle s'est envolée, c'est ça?
Elle dit le plus souvent, on prend son coup, on met ça à côté pour lui dire, vas-y, ton cœur. Il faut laisser ce côté. Tu as eu un avion. Tu as avion. Attends, tu as avion. On est car avion, mon car avion. Non, tu as dit ça, tu chutes, avion. Tu as dit ça, tu chutes. Elle dit, elle-même, elle n'en a pas, mais elle. Tu loues ça. Avion là, c'est pas parce qu'on est beaucoup dedans. Quand tu veux parler sorcellerie, tu prends avion puis tu vas faire sorcellerie. C'est pas tout le monde qui rentre dedans. Ça là, je connais ça. Donc si tu loues avion pour aller faire sorcellerie. Réponds-moi ou bien tu as envie de parler, non? Je peux ne pas t'écouter. Je suis pas obligé de t'écouter. Ben, tu es resté ici du camp. Donc si tu veux pas m'énerver, parce que là où on arrivait, je viens de prêcher, je suis là. Je dois revenir à 20h. Hein? Si tu ne veux pas répondre à mes questions, moi je te laisse. Je vais aller me reposer. C'est pas que je suis en jeune qui retourne ici. Non, réponds à ma question. Tu as avion, c'est ça? On est qu'à avion. Elle ne comprend pas ma question. On est qu'à avion. Pourquoi vous les sortiez? Vous avez la même chose. Le oui, là, ça les fatigue. Oh non, ils sont trop près dans le nom. Elle dit oui, elle a. Hein, c'est tellement simple. Stop. Tu as avion. Quand tu montes là, tu vas où est-ce? Il m'aime moins avec avion, il m'aime moins. La bobole. Hein? La bobole. Elle dit, ça fait dans les ailes. Les ailes, pour aller chez qui? Quelle aile pour aller? Non, mon lien. Il va faire quoi? Parce que quand on monte avion, on fait une mission. Tu prends ça pour aller en mission. Tu ne peux pas aller te balader, tu vois. Tu prends ça pour aller en mission. Tu fais quelle mission? C'est parce que tu prends pour aller en France pour gâter la vie de tes enfants, c'est pas ça? Non. Madame, hey, si tu ne veux pas parler, moi je te laisse. C'est toi qui m'appelais tout de suite. Moi, ton fils là, il est rentré dans le bureau. Hey, sa femme, je lui ai dit, ta maman va parler. Il t'a pas dit ça? Il t'a pas dit ça? Si. Il dit, elle va parler. Il dit, regarde, toi-même, tu vas assister à la scène, ta maman. Tu vois, elle a entendu parler. Elle dit, il est forcé. Je l'ai pas forcé. Je lui ai dit, ta main est âgée. Elle était là, elle parlait. Donc, j'ai rien même dans le bureau. Parce qu'elle était en train de parler, mot de pied. Je lui ai dit, ta maman va parler. Ah, je lui ai dit ça. Elle dit, il est forcé ici. Depuis qu'elle est venue ici, là, je ne l'ai jamais trouvé. Mais je sais qu'elle va parler. Stop. Quand tu prends avion, tu allais gâter la vie de qui en France? Oh, c'est ça, tu vas pas vous la dire. Si tu dis pas ça, je te coûte plus. Oh, tu as gâté la vie de tes filles, tes enfants, là, tu as gâté leur vie. C'est parce que moi, je ne suis pas au courant, je suis au courant. C'est pour te laver. Avant d'enlever ça dans ton corps, tu vas voir que tu es de mourir. Regarde ton corps. T'as de chauffer. Quand c'est pas l'homme, Dieu, c'est pas l'homme, mais c'est Dieu qui est en train de frapper. Tu as des secrets. Vous, ça vous fatigue vous-même. Vous détenez des grands secrets. Vous voulez mourir ça. Oh, en faisant des aveux, ça vous libère. Ça vous libère. Toi-même, tu dis que tu mangeais foutu, et puis il y a un rat, ils ont fait un rat la chair de l'homme que tu as mangé. Donc, c'est quelqu'un qui t'a donné. Maintenant, il faut dire, enlever ça dans ton corps. Oh, tu as gâté la vie des gens. Lui, là-même, tu l'as gâté. Lui, il est le serpillet. C'est lui qui finit son sorcellerie. C'est celui qui vient laver ta main. Hein? Au lieu de parler, on va délivrer les gens. Moi, je lui ai dit, que ta maman, là, elle va parler. Hein? Il dit, oh, parler. Ma maman a gâté le bébé. Elle a mangé. Tu as tué ta maman. Oui, pour manger. Pour parler. Elle a mangé. Toi, tu as tué ta maman. Non, écoute-moi. Tu as tué ta propre maman. Et puis, tu l'as mangé. Je n'ai pas mangé. Tu as jeté. Je n'ai pas mangé. Tu as jeté. Attends. Oui, c'est comme ça, c'est le châtiment de Dieu. Quand Dieu commence à te châtier, c'est comme ça que ça fait. Si. Elle ne voulait pas parler, non. Maintenant, elle est pressée. Donc, tu as tué. Mais c'est du feu. Si vous tuez son corps, elle fait une forte pierre. C'est ton fils? Non? Viens tuer ton corps. Madame, touche son corps. C'est chaud. Elle a une forte pierre. Elle a fait des bruits. Elle a fait des bruits. Il a fait des bruits. Elle dit quoi?
Stop, tu as tué ta maman. À sorcellerie. Ah, je te demande maintenant, vous parlez, tu es un peu fatigué. Tu l'as tué. Tu as mangé. Sortir, mange. Tu l'as jeté. Ah, toi, tu es mauvais sorcier. Tu es dangereux, tu es dangereux. Oh, les gens, ils tuent pour manger. Oh, toi, tu jettes bien. C'est la plus dangereuse des sorciers. Oh, tu veux gagner bien. Là, tu vas dans les malades. Tu tues pourquoi? Tu tues pourquoi? C'est comme un chien qui va bien, il ne mange pas. Oh, la vieille, à part ta maman, tu as fait quoi? On est à part, non, il est d'abord boisé. Il est d'abord, il est d'abord mon boisé. Mais si on y a nos filles, autant tu as suivi 16 personnes. Tu vois, non. Maintenant, tu as gâté la vie de qui? Non, pour nous, non, pour ta vie. La vie de tes enfants, tu n'as pas gâté. Ok, donc je te laisse. Je vais plus t'écouter. Quand ça a chauffé, là, pourquoi me chercher? Faut lui dire, si ça chauffe là, mais faut pas me chercher. Hein. J'ai pas de forcé. Quand tu vas commencer à mourir là, tu as gâté ça. Tu as gâté. Donc c'est toi qui as gâté son travail. C'est ça. C'est toi qui as gâté. Comment tu as gâté ça? Moi mes questions là, ça vous énerve. Ça les énerve. Quand tu es sorcier, tu n'es pas intelligent. Ok, on sait ça. Mais comment tu as gâté? Comment tu as gâté son travail? Tu allais chier si c'est papier de travail et puis tu l'as fait sortir là. Tu as gâté. On est moins ignolé à flou les ponts. C'est ça? Sa maman dont elle parlait tout à l'heure. Tu as gâté qui encore? Tes enfants qui sont en France là. Tu as gâté qui? La vie est pour traiter du pays d'abord mon mouisé. Si tu es quitté ici là, ta santé va chuter. Okadaro, nous disons qu'il n'est pas imprimé par l'air. On est imprimé par l'air, donc pas mal. Je ne vais plus t'écouter, hein. Tu sais comment c'est arrivé là? C'est toi qui m'as appelé, non? On est Moulona. Tu sais, t'as pas toi qui m'as appelé? Moulona. Hein? Toi qui m'as appelé, non? C'est pourquoi? Elle dit quoi? Elle voulait faire aveu. Elle voulait confesser. Mais confesse? Alors, mais confesse. C'est ce qu'elle est en train de faire. On est au banc noir, Titi. Vous n'en ayez pas les mêmes au banc noir. Il est comme il est devenu tenté de mourir. Je vous l'ai mis. Qu'est-ce qu'on fait? Depuis le coup, madame, la vieille, je te laisse. Tu voulais confesser, non? Tu voulais parler? Si on ne force pas les gens. Tu n'as rien dit? Elle a dit quoi?
Bana, c'est une vie à propos de tout cela, ni Mouino ou Bana. C'est le cas Yayouye. Sinon, les bagayi, elle est dans les bas. Elle dit, c'est oui, ça. Oui, on sait ça. Quand tu es tout seul, c'est ce qu'il a. Tu décris. Non, la vie, laisse à côté. Là. Ce qui t'a bien dit. Ce qui t'a gâté. Lui, toi, ça, les mains, c'est noir. Nous, 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 tu les as tous gâtés. Moi, je te coupe plus. Moi, là, je sais qui tu es. C'est moi qui ai dit à ton fils, tu dois parler. C'est moi qui ai dit, tu dois parler. Et là, comment tu es devenu? Tu m'as appelé, tu dois parler. Si tu ne parles pas, je ne vais pas te forcer. Lui qui a commencé à te frapper, là, il va te frapper jusqu'à... Il va t'emmener sur la tête. C'est pas moi. C'est lui qui a commencé à te frapper. Oh, on t'a envoyé... Non, moi, je ne parle plus. Si j'ai qui devant toi, là, tu vas me chercher, là, plus, je peux t'écouter. Dites à votre maman, hein. On en a poussé, mon papa. Tu elle dit quoi? Elle a Monique. Monique a fait quoi? Monique a eu un enfant. Elle dit Monique a eu un enfant. Elle a eu l'enfant est décédé. Elle a tué l'enfant de Monique. Je comprends le langage. Elle a tué l'enfant de Monique, c'est ça? Monique a eu. Et puis elle allait fermer le vent de Monique. Eh madame. Non, 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 on est mon bois. Monique a eu une Winina. C'est ce qu'elle entend. Non, pas Winina. Non, 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 non. Ce qu'elle entend, elle dit, je comprends son langage. C'est un langage. Vous ne pouvez pas comprendre. Moi, je comprends ça. Quand elle dit Monique, son enfant est mort et puis elle n'enfante plus. Elle dit que c'est elle qui a tué l'enfant de Monique et puis qui a fermé le vent de Monique. Voilà. C'est clair. Hein? C'est ce qu'elle entend de dire. Elle dit, elle ne veut pas aller justement toucher la chose. Or, moi, je connais l'homme, on est de parler. Il dit, tu as fermé le vent de Monique. Monique, vous êtes mon toit, les sauts, bon, car les sauts. Thierry, mais moi, la fête de société, je n'ai pas pour lui dedans. Non, non, non. Ce n'est pas un jugement. Thierry, comme si on était en salle, ça, de pierre. Mon toit, les sauts, Monique, vous êtes mon toit, le plus bon, car les sauts. Comme ça, elle va te donner l'argent. C'est ça? Comme ça, elle va te donner l'argent. Quand on ne va pas avoir enfant, elle va te donner l'argent, c'est ça? Eh, je sais que c'est le démon. Et c'est ça la paix démon. C'est ça? Où tu as caché ça? On a eu des ouzouis. On parle, on dit qu'à louer, il y a eu des ouzouis. Tu as caché ça dans un tombe. Tu dis, elle dit, ça a été enfoui dans une tombe. Ouais. Hein. Ça veut dire quoi? Non. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a regardé ça où? Bon, oh y a mon Monique, il est mon favori. Il est mon zoo. Elle a donné la nuit tombe. Je suis pas dans ma misère. Si toi tu veux rester comme ça là, moi, je vais aller à la maison. Je dois revenir à 20h. Elle dit quoi? Elle dit quoi? Je vais te soigner. Tu as quoi une maladie? Je vais te bénir. Je vais te faire tuer. Où es-tu béni? Toi tu suis les gens, moi je te bénis. Pourquoi? Toi tu veux être béni, puis toi tu maltraites des gens. Il n'y a qu'à te bénir, si tu ne parles pas. Toi tu veux être béni. Tu as peur de la mort. Vous maltraitez les gens, maintenant il y a la mort, vous avez peur de ça. Pourquoi? Hein? Tu dis quoi? Ah, si tu as fait mauvais, tu as mouru. L'homme là, quand il fait mauvais, là, Dieu le tue. Ou bien? Toi tu as fait beaucoup enfant, tu donnes quoi à l'enfant? Maintenant là où tu es là, tu fais quoi? Tu donnes à quoi? Maintenant si toi tu meurs là, ça fait quoi à l'enfant? C'est un débat? Oui. Tu as dit non, c'est parce que j'ai fait beaucoup enfant. Tu as fait quoi enfant? Tu as mis au monde?
toi tu fais enfant, tu tues ton, et puis tu mets l'enfantement de ta fille dans ton, tu trouves ça normal? Hein? Tu trouves ça normal? Madame? On est naïu, moni qui n'y a qu'à l'ouéné, il me faoua. Oh, bah c'est moni ça. Non, et tu sais, c'est tout ça normal. Mais on est-ce qu'il y a nani mouka, il y a nani. Alors, mais pourquoi tu dis pas ça? Vous demandez depuis là, ici, là, est-ce qu'elle est moi? Je n'ai pas parlé de société avec elle. Mm-hmm. On est depuis que qu'on a dernier, est-ce qu'on y a mousso? La dernière fois que tu es tombé, tu as fui. Toi, tu, je te connais. Non. Tu es venu première fois. J'ai vu esprit de. Hey, stop! Moi j'ai vu dragon. Toi tu as dragon. Comment on appelle ça chez vous? Nous on appelle Baba Mena chez vous. Elle a dragon. Cette femme-là, elle a dragon. Quand me dit elle a tu as dragon. Et dragon là, c'est très dangereux. Tu vois? Donc elle ne touche même pas à ça. Maintenant, si tu ne veux pas parler là, j'ai dit à dragon, elle est venue te manger. Il va te manger, il va boire ton sang d'abord, puis maintenant je le tue après. C'est comme ça? Si j'ai rassasié de ton sang, puis je le tue dragon. J'ai dit à dragon de venir te manger. Elle dit, vous dites, hein? Dragon a faim, depuis que tu es ici, il a faim. Tu ne l'as pas encore nourri. Mais c'est vrai? Vous vivez à une bête qui mange les gens. Une bête qui mange les gens. Vous élevez, c'est quoi tu veux élever une bête qui mange les gens? Pour l'instant, il y en a des gens. Hein? Hein? Elle dit quoi? Ah, tu as fini, je peux partir. Tu es parti. Tu es parti, tu as fini. Les questions que vous êtes en train de poser, elle dit que c'est les réponses avant. En tout cas, c'est tout qu'elle a joué. Donc, c'est fini. Tu es parti. On est homme ici. On est homme ici. Tu ne vas plus me parler après. Là, ça chauffe. Madame, stop. Stop. C'est comme on entend vous divorcer. Toi qui as dit que tu voulais me parler, tu confesser. Hein? Oui, tu as mis ton dragon, il est où? On est, il y a moins bon amour. Alors, pour le mieux, aller. Pourquoi dans votre langue, dites-le là, il n'y a pas ça? Nous on appelle ça Baba Mlin. C'est très dangereux. Ça est coulé. C'est très. C'est dragon, dites-le. Nous chez nous on dit Baba Mlin chez nous. Non, mon veille, il y a mon aïe, il y a mon aïe. Oui, elle est là-bas. Mais elle sait. Oh, il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire pour ne pas qu'on dise non, c'est nous qui parlons à vos places. Oh, tu es venu ici, tu es tombé la première fois. Je ne sais pas, ça fait 3 mois maintenant. Dans le début janvier, avant d'aller au Maroc, on a fait un programme ici. Elle est tombée un soir. On a chassé le démon. C'est qui ça? Elle a disparu. C'est maintenant elle est revenue ici. Sinon, je n'ai même plus encore parlé de ça. Tu as vu? Dragon, elle va venir te manger. Pardon. Je lui demande, viens faire festin, mange. Va faire marcher. Puis tu viens, tu manges. Et te sauver. Pourquoi? Hein? Va te manger un peu. Ça fait quoi? Dragon là. Marche dedans. Mais c'est lui que tu as gardé là. Lui qui t'a gardé là. C'est lui qui fait tout ça. Ok. Bon, donc il est où chez toi à la maison? Non, il me dit désolé, merci à mener quoi. Baba Mlin. C'est au champ. Non, elle est à la galère. Tu fais des lagos.
Toi, tu connais là-bas, tu jures. On n'est pas encore arrivé là. Pourquoi vous l'êtes? Vous êtes le premier à jurer. Papa, prophète, ma fille aussi, elle veut parler. Ah, mais c'est le soir. Donc, vous voulez vous passer, je ne dois pas me reposer. Je ne suis pas une machine. La vieille, ton papa m'a à la maison. Si tu dis le champ, ok. Moi, il dit il est chez toi. Je peux l'appeler, il va venir te manger. Pourquoi il va te manger? Pourquoi? Il a faim. Tu es resté ici plusieurs jours, tu n'as pas donné à manger à ton enfant. Et son bébé. Les chiens cherchent à voir chien. Ils protègent les gens. Toi, ta baba m'a qui mange les gens. Elle va? Elle demande pardon. Hein? Mais quoi tu peux élever il y a ici un dragon? Moi c'est une bonne chose. Hey, stop! Comment tu peux élever un dragon? Moi j'ai passé, stop, m'a dit tu vas parler. Moi j'ai passé, m'a dit tu vas parler. Hein? On a qu'à le chasser. On est watoué. Elle refuse aujourd'hui ce dragon là. Il est où? Mais on est derrière quoi? Où tu as gardé ça? Il est Elle dit j'étais chez elle à la maison, mais sa mère est plus. Mais il est parti, il a fui. Non, tu veux pas te séparer de ça. On est là, c'est qui est mené, c'est quand il y a eu lieu. Parce que la Wani a beau et pas n'aider. Non, laisse-la parler. Comment arrive ça? On va arriver, je sais très bien, laisse. Je vais bien la garder ça chez elle. Mais pourquoi? Où est-ce que force? La vieille, moi je suis fatigué. Je suis fatigué. Pourquoi? C'est vraiment tu veux sortir là. Il n'est pas de parler. Il est à la maison. Hein? Il a faim, c'est ça? Tu vas manger quoi? Tu as fait combien de jours ici? Ton enfant a faim. Il va venir te manger ici, là, il va manger ici. Il va dans ta tête manger tout ton cerveau. Ah, pardon. C'est bon, tu en vas manger les gens. Il a faim, maintenant il va te manger. Comment toi tu peux aller élever, prendre dragon pour venir garder chez toi? Donc lui, tu as gardé son travail. Donc, numéro Loli, lui. Oh, vous n'aimez pas qu'il revienne sur les questions. C'est ça vos problèmes là. Non, le prophète, pourquoi nous, tu nous déranges toujours? Même question là, tu fais ça 10 fois. Mais il faut ça 1000 fois. Mais ouais, il y a la moune, ou bien bagané là. Elle dit, viens la garder son style. Pourquoi moi quand il pose la question, ça t'énerve? Il y a le fait de rien écouter. Elle dit quoi? Non, la boîte, elle dit c'est la vérité en train de dire. Elle a gardé son travail. Maintenant, lui, il est donné Saint-Pierre. On est le laisseau. Saint-Pierre. C'est ça? Hein? Vous dites non, on entend les matériaux en fond de maman de quelqu'un. Non, c'est elle même qui va parler. Oh, bien, vous êtes touché là? C'est ça, dit. Il est parti. Hein. Je suis fatigué. Le soir, il doit venir. Tous ses enfants étaient gâtés. Elle a vendu, elle a tout gâté, ses enfants. Tout gâté. La vieille, moi je suis fatigué. Pourquoi on me dit je vais divorcer? C'est toi qui m'as appelé pour parler. Donc on a quand on te force ou bien. Depuis que tu étais ici là, je n'ai jamais posé des questions. C'est toi qui es venu ce soir du coup. Comment on me résout pas?
beaucoup. Elle dit elle a gâté vraiment. Elle les a tous. Donne-moi le nom des gens qui sont gâtés. J'ai gâté toi. Allons vite. Maman, vous êtes qui? Chantal. Elle est où? Elle est Agnès. Elle est où? Ingessa. Elle dit il y a un ici qui. Ah oui, oui, qu'elle a détruit son frère de dragon. C'est ça? Moi, je suis fatigué. Pardon. Ton dragon, là, je lui dis ce soir, il a mangé. Il n'a pas venu manger. Il a mangé 14 heures. Il est venu manger. Tu es sorcière. Hey, tu parles ou tu parles pas? Hein? Depuis tu es là, tu parles pas. Le soir, on va attaquer ça. Je suis fatigué.